C'est des plateaux, on rencontre d'autres groupes et puis on a un peu plus le temps d'échanger dans ces moments-là. Et j'aime bien aussi partager d'autres publics, c'est-à-dire que des gens nous découvrent encore et ça nous rebooste aussi. Donc c'est bien d'avoir du recul par rapport à ça. Je sais qu'à chaque fois que je suis venu ici, il y a eu des grosses fêtes la nuit avec pas mal de musique. Je pense que la dernière fois, on a fini dans un petit café avec un jeune groupe et c'était très 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 bien. Jouer comme les Stones, comme les Beatles, ça, pour nous c'était très très important. C'était nos maîtres. Je trouvais que c'était incroyable quand on sentait pas le travail et quand la musique semblait tomber du ciel et que les paroles semblaient être un engagement de tout l'individu et qu'elles étaient simples. Donc j'aimais beaucoup Lennon et moi c'est vrai que Louis me disait être rock c'est jouer cette musique là peu importe la vie qu'on mène, mais moi je disais non, c'est qu'on sente dans cette musique la vie qu'on mène. C'est vrai que les chansons volent un peu sans nous. Pour moi les chansons que je préfère, elles parlent un peu à l'âme, à l'intérieur de chacun quoi. C'est des chansons qui parlent un peu à ce qu'on a de plus intime. Elles sont faites avec des mots simples. Et quelquefois, pour vraiment faire simple, je travaille longtemps. Et voilà, et quand ça réussit, mais ça on le sait jamais, c'est extraordinaire. Je m'adresse à une partie de moi-même assez intérieure, assez profonde, avec laquelle je triche pas. Je crois qu'on l'a vraiment tous, ça, c'est... On a beaucoup parlé de l'enfance et de l'adolescence à mon propos, mais c'est pas que ça, c'est cette petite personne au fond de nous qui se demande un peu ce qu'elle fait là et qui se demande pourquoi j'ai la chance d'être en vie et pourquoi il y a des étoiles et pourquoi l'univers, c'est questions bêtes, les questions de poésie.